filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera concernant mes cadeaux d'anniversaire. Donc je fais cette vidéo très longtemps après, tout simplement. En fait, mon anniversaire était début novembre, donc oui, ça date effectivement. Mais ensuite je suis partie en stage, ensuite c'était Noël, donc je vous ai filmé les cadeaux de Noël. Donc bref, voilà du coup pourquoi je fais cette vidéo maintenant, mais bon, c'est pas grave, hein, je vous montre ce que j'ai eu. Je sais que c'est des genres de vidéos que vous aimez beaucoup regarder. Moi aussi j'adore regarder ça, donc c'est pas du tout pour étaler les cadeaux que j'ai eu ou quoi que ce soit. Je suis pas du tout comme ça. En tout cas, je voulais vraiment aussi faire cette vidéo pour remercier tous mes amis. Parce que je sais qu'ils attendent aussi cette vidéo. Donc je les remercie beaucoup parce que vraiment, ils m'ont énormément gâtée. J'ai vraiment été très surprise de tout ce que j'ai eu et vraiment très très contente. Ils me connaissent super bien, ils ont fait des super choix. Donc voilà, je les remercie beaucoup et je leur fais plein de bisous. Donc on va commencer tout de suite. Alors on va commencer par ce que m'a offert ma copine Léa. Alors elle m'a offert déjà tout un petit pack en fait de chez Yves Rocher. Donc j'ai eu le gel douche à la framboise, ils sont juste trop bons. Et en fait un gel douche gommant. Alors franchement j'adore ce produit, vous pouvez voir que j'ai déjà pas mal utilisé. Pareil, non, alors lui c'est à la fraise. Lui c'est à la fraise et lui c'est à la framboise. Donc franchement j'ai adoré ces produits là. J'avais également un petit vernis de chez Yves Rocher, donc couleur rouge. J'avais jamais testé leur vernis à ongles et j'ai adoré. J'adore parce qu'en fait, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais le pinceau est bien épais, etc. Donc on fait vraiment super rapidement l'ongle. Il a une assez bonne tenue, une super opacité. Donc franchement j'ai été bluffée. Je pense réellement que je vais m'en acheter d'autres. Et ensuite j'ai eu un petit rouge à lèvres. Donc c'est le 32 rose cocktail, pardon. Donc il est comme ceci. Et la couleur est comme ceci. Alors c'est plus une couleur en été parce que c'est quand même un rose assez pétant. Et j'adore comment ils sentent leur rouge à lèvres. Ensuite elle m'a offert un petit kit de boucles d'oreilles de chez New Look. Je les adore. Donc vous avez des ronds un peu couleur beige, des triangles couleur noire. Celles-ci je les adore. Et celles-ci que je porte ici, un peu rosé, qui je trouve vont super bien avec mon petit col. Et franchement j'ai fait que les porter, je les ai amenés sur la petite plaquette à Paris, j'ai fait que les mettre. Donc franchement je te remercie là parce que tu connais super bien mes goûts pour les boucles d'oreilles, je les ai adorées. Et ensuite elle m'a offert un cadeau que j'ai adoré, franchement j'ai trouvé ça juste super cool. En fait elle m'a fait tout simplement un calendrier personnalisé, donc pour chaque mois elle a mis des photos. Voilà, de moi en croisière, de mes copines, enfin bref, de ma famille aussi, enfin bref, plein de bons moments. Attendez, voilà, de moi et mon frère, enfin bref. J'ai trouvé juste ce cadeau super bien. En plus, j'adore parce que les cases sont super grandes, donc on peut vraiment marquer les choses qu'on a à faire, etc. Et voilà, donc franchement, rien que Léa, elle m'a super bien gâtée, donc je te remercie Léa. Par un grand groupe d'amis, donc je vais peut-être pas tous les citer parce qu'ils étaient pas mal, mais je vous fais tous de gros bisous et je vous remercie vraiment. J'ai eu la Naked Smoky. Voilà, donc j'étais juste trop contente, la Naked Smoky d'Urban Decay. Voilà, comme ceci. Je vous ai fait un maquillage avec, donc je pense qu'il sera en ligne lorsque je mettrai cette vidéo, mais sinon bah vous le retrouverez plus tard. Mais voilà, j'étais juste trop contente d'avoir cette palette là, elle est vraiment magnifique. Et voilà, quand j'ai eu ce cadeau là, j'étais vraiment très très contente, c'est vraiment un cadeau magnifique. Et ensuite j'ai eu un collier que franchement je ne fais que porter. Alors là je ne l'ai pas mis parce que vu que j'avais un col Claudine, bah, je ne pouvais pas le porter. Mais en fait je voulais un collier comme ceci en fait, avec un rond. Et en fait ils en ont trouvé un que je trouve encore plus magnifique que celui que j'avais vu. En fait il a un rond et tout autour il a des strass. Déjà j'aime beaucoup parce que le rond n'est pas très gros. Et en fait il est vraiment juste sublime. C'est vraiment un bijou, un très très beau bijou. Et en fait voilà, pour mon anniversaire de cette année je voulais vraiment des beaux bijoux que je puisse garder tout le temps, les porter tout le temps. Et voilà, ça franchement je le porte tout le temps. En plus il fait un superbe effet. Donc voilà, je les remercie vraiment beaucoup, je vous fais tous des gros bisous. Ensuite de la part de deux autres copines, donc Maud et Manon. Alors j'ai eu, je l'avais mis dans ma petite wishlist, le rouge à lèvres sans transfert, donc le rouge de chez Sephora. Donc j'étais super contente, je l'ai testé, il est vraiment au top, je veux dire,
le rendu est incroyable, ça tient super bien, donc j'étais vraiment super contente. Et ensuite elles m'ont offert un débardeur et en fait je crois qu'il est à laver. Alors peut-être que j'essaierai de vous mettre du coup une petite vidéo si je le retrouve d'ici que je fais le montage. En fait c'était un débardeur, je crois qu'il vient de chez Pull&Bear ou Stradivarius, un magasin comme ça, ou Bershka. En fait c'était un débardeur rouge super fluide, en fait ça faisait là comme ça deux voiles après qu'il s'ouvrait. Il est juste trop beau cet été, avec un t-shirt ça va faire juste super joli. Donc voilà, je vous remercie les filles, j'étais super contente. En plus vous avez tout fait dans le rouge, le t-shirt et le rouge à lèvres. Ensuite de ma copine Clara, j'ai eu une bague, donc elle se trouve ici. Donc je vous ferai des zooms, hein. Donc elle se présente comme ceci, donc en fait c'est une bague avec des strass au milieu, des genres de petits ronds. C'est une bague vraiment très très fine mais qui est juste super jolie. En fait pour la petite histoire, j'avais vu une bague un peu similaire sur elle. À chaque fois je lui disais, oh, mais elle est trop belle ta bague, elle te va trop bien et tout. Un jour je l'avais essayé, j'avais dit, oh mais c'est trop joli, faudrait vraiment que je m'achète une bague comme ça. Donc du coup elle me l'a achetée et franchement depuis que je l'ai, bah... je ne fais que la porter, je la trouve vraiment magnifique, donc je te remercie Clara. Donc, concernant les cadeaux de mes amis, c'est fini, donc vous voyez que j'ai vraiment été très très gâtée par eux, donc encore merci mille fois. Ensuite on va passer au cadeau de mon copain, donc voilà, j'ai eu également une bague. J'ai eu beaucoup de bagues à cet anniversaire là, mais franchement elles me plaisent trop. Donc elle est comme ceci en fait, assez simple, juste avec un diamant et une bague assez fine, c'est exactement ce que je voulais. Voilà, je lui avais dit que voilà, je voulais une bague que je puisse garder tout le temps. Une bague juste simple, etc. Et franchement il a juste trop bien choisi, en plus elle me va parfaitement, donc il... voilà, c'était parfait. Donc ben je te remercie beaucoup si tu regardes cette vidéo. Donc par ma famille, alors déjà j'ai eu un ceci, je trouve que c'est trop mignon, et en fait c'est un savon à la fraise, ça sent juste trop bon, et en fait c'est présenté comme une sucette. Et voilà, franchement j'ai même pas envie de l'enlever tellement je trouve ça trop mignon. Ensuite j'ai eu une petite trousse qui vient de chez Primark, en fait un maquillage. Donc là vous enlevez comme ceci. Donc en fait ça se présente comme ceci. Donc en fait là vous pouvez mettre des pinceaux. Et ensuite là vous avez tout simplement la trousse de maquillage. Et en fait je trouve que c'est plutôt pratique et je la trouvais super jolie, un peu en aspect... peau de je ne sais quoi, pas peau de serpent, mais bref, voilà. Et donc j'ai eu un kit de tasses donc, qui se présente comme ceci. Elles sont juste trop belles, elles me reflètent super bien. Donc il y en avait deux et c'était dans cette petite boîte où du coup dedans j'ai mis tous mes petits échantillons. Je trouve ça vraiment très très joli, donc voilà pour ça. De mes parents j'ai également reçu une bague qui vient de chez Agatha. Donc elle est comme ceci, celle-ci elle est plus grosse et en fait elle fait un peu comme le signe de l'infini et du coup voilà. J'étais très contente de pouvoir porter mon copain, ma famille et une de mes copines à mes doigts. Je trouve ça plutôt sympa, au moins je ne les oublie jamais. Donc voilà, elle est vraiment jolie et elle me plaît beaucoup. Alors de mon frère j'ai eu un cadeau qui va peut-être vous surprendre, mais en fait c'est vraiment quelque chose que je voulais. En fait c'est un sac à dos. Alors j'ai un peu eu du mal parce que c'est dur de quand même trouver un sac à dos un peu joli, pas très très cher. Donc du coup j'en ai trouvé un qui me correspond plutôt bien, qui est pratique. Donc en fait il se présente comme ceci. Donc en fait c'est un sac Roxy, donc en fait il est pratique parce que là vous avez une pochette, là vous avez une pochette et là vous avez une pochette et là une grande pochette. Vous avez des trucs sur le côté, donc voilà, franchement super pratique. Et en fait je voulais vraiment un sac à dos pour quand je pars en voyage avec le BTS, quand je pars moi-même en vacances, genre là quand je suis partie à Paris, voilà j'avais ça. Et franchement c'est vachement plus... c'est vachement mieux d'avoir un sac à dos plutôt qu'un gros sac à main parce que ça fait vachement moins mal au dos, on peut en mettre vachement plus. Et voilà, voilà j'avais très envie d'un sac à dos et du coup il me l'a offert, donc j'étais super contente et franchement je m'en suis servie plein de fois depuis que je l'ai. Donc voilà, vraiment un cadeau super bien. Et ensuite bah, de mes parents, voilà j'ai eu de l'argent comme d'habitude. J'ai eu pas mal d'argent notamment pour partir en voyage puisque je vais sûrement partir... en février aux Caraïbes, donc du coup voilà je vais me servir de l'argent que j'ai eu à mon anniversaire pour partir. Donc voilà, j'étais vraiment super contente de tous les cadeaux que j'ai eu. Et du coup bah, j'ai décidé de me faire un petit cadeau personnel hein, parce qu'en général je fais souvent ça, soit à mon anniversaire ou soit à Noël ou soit aux deux, je me fais toujours un petit cadeau personnel. Et cette année c'était celui de chez Too Faced, celui-là c'est le grand palais je crois. Donc pour l'édition de Noël, donc ça se présente comme ceci. Vous avez le mascara, le melty, de la base à paupières et évidemment
la palette qui est vraiment sublime, donc comme ceci. Donc voilà, hein, c'était un très très joli cadeau d'anniversaire que je me suis fait pour mes 19 ans. Et puis voilà, alors j'espère que j'ai rien oublié, parce que vu que je filme cette vidéo longtemps après mon anniversaire, donc mille excuses si jamais j'ai oublié un cadeau, mais honnêtement, je pense ne rien avoir oublié parce que j'ai vraiment fait attention. Donc voilà, encore merci à tout le monde. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire vous a plu. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et je vous fais d'énormes bisous.